Hey, salut tout le monde, ça c'est l'éponge. Je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne. On se retrouve sur GTA 5 pour la customisation d'Alpha, Albany Alpha, pardon. Donc là, je dois réparer. Malheureusement, bon, les 50 dollars, c'est pas beaucoup, mais ça me fait chier quand même de payer à chaque fois que je vais customiser. Mais bon, après, vous allez dire que dans PDG, on peut customiser, mais bon. Mais après, si je suis dehors, je peux pas aller retourner en PDG à chaque fois. Blindage, donc je vais mettre du blindage à fond. Voilà. Frein à fond aussi, frein de course. C'est lequel qui est mieux parce qu'on ne voit pas du tout. Ah, si, on voit en bas. Sur la barre en fait la différence, donc ce sera frein de course, pare-choc, bon le dernier hein. De toute façon il n'y a rien à choisir. Hop, le moteur niveau 4, ah, je suis à fond. Échappement, donc je peux faire échappement, lesquels que je peux faire, ah, celle-là un peu jolie. Explosion, non je mets pas parce qu'un coup de faux pas, ben je paye par moi-même. Donc capot triple aérosol, capot double bombe. Bon, de toute façon, je choisis plus cher à chaque fois. Et après, le klaxon, ben, le standard, non, musicaux. Allez, je vais faire vite fait le tour. Donc tout est à 25 000 sauf le jazz. Ouais, les jazzy j'aime bien. Ah non, j'aime bien le premier. Et après, oui, on peut prendre le plus long même. Ah non, c'est bon, je m'arrête là. Éclairage, phare. Phare au Xenon, c'est bon. Kit Super Néon, donc je mets avant, arrière et côté, j'aime bien. Couleur de néon, bon, du coup, hein, c'est du bleu en bas. Hop, ça c'est fini. Bah, par voile, bah, vu que je l'ai eu, j'ai pas besoin. Par contre, au niveau de plaque, je sais pas trop lequel choisir. Bon, je vais choisir du bleu comme d'habitude. Et peinture, nous y voilà. Est-ce que je peux prendre chrome? Du chrome, je trouve ça moche maintenant, c'est plus comme avant. Classique, je vais prendre le nacré. Ah, je peux pas. Est-ce que marqué peinture de votre véhicule doit être métallisé ou de couleur? Ok, d'accord. Métaux, ça coûte un peu cher en pur. Ok, bon, je vais pas me dépenser trop de thunes dans la peinture, hein. C'est juste la peinture après. Hop, crème. Donc ça c'est la peinture principale ou quoi? Ouais, principale. Ouais. Ouais, je vais prendre classique, allez tiens, classique c'est aussi joli que les autres qui coûtent cher. Hein. Par contre je vais mettre comment comme couleur. Je vais mettre je vais voir toutes les couleurs. Ah celle-là c'est pas mal. C'est pas mal ce bleu ultra là. J'aime bien. Oh, j'aime bien. Ensuite, couleur du cou. Ah, ben j'ai déjà payé. Ouais, second, bah, je vais mettre couleur du cou. Hein. Voilà, c'est derrière. Hop. Allez, c'est parti. Ça, c'est fait. Maintenant, je mets toujours l'emblème. Donc, mon emblème, c'est ça. Lion avec de l'eau avec 5 étoiles. Par contre, je trouve dommage que l'emblème ne prend pas le fond vert. C'est-à-dire que le blanc il doit disparaître, quoi. Sauf si on met en blanc. Ça, je trouve ça dommage. Enfin, après, peut-être, oui, on peut faire autrement. Donc, si je vends,
Désolé, vous ne pouvez pas vendre. Parce que marqué, véhicule volant plus de 50 000 dollars. Ah, ok. Donc là, ça fait plus de 50 000 dollars. Bas de caisse, donc je vais prendre celui-là. Aileron, donc les ailerons, moi je vais prendre le plus grand. GT. Bon, je vais prendre GT. C'est joli, je trouve ça joli. Suspension, bah évidemment, c'est toujours le dernier. Voilà. Transmission. Transmission, bah, est-ce que ça change quelque chose? Ça change rien en fait, les transmissions. Il n'y a rien qui change. Bon, je vais prendre juste le dernier, juste pour faire plaisir. Et le turbo, c'est bon, je vais prendre le plus cher. Et voilà, nous sommes à la roue. Donc le rouge, je vais prendre juste toujours, 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 toujours tout terrain. Même si ça fait moche, c'est pas grave. En fait, tout terrain, ça me permet de rouler à n'importe quel endroit, n'importe quelle intempérie. Du coup, bah, ça m'évite de déraper trop tout le temps. Et voilà. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, pour couleur, je vais mettre en vert. Le vert, non. Je vais laisser en noir. Allez, on va laisser en noir. Et pneu, apparence de pneu. Bon, il n'y a pas d'autre apparence à part celle-là. On est obligé de choisir toujours les mêmes. Pneu d'épreuve des balles, bon, bien sûr. Fumée de. En bas, je m'écroule toujours, c'est du bleu. Voilà, ça se fait. Ensuite, fenêtre, bah, toujours teinté, hein, tout noir. Mais j'aurais bien aimé aussi devant, hein, que ce soit tout noir, mais bon. Voilà, j'ai terminé avec vous la customisation. Bon, maintenant, on va tester sur la piste d'atterrissage. Allez. On va commencer à partir d'ici, à la première personne. Allez, c'est parti. Ça démarre tout de suite en tout cas. Et le moteur, vitesse, ça change en espace de quelques secondes. Ah ben là, on attrape largement le 100, mais on n'a pas dépassé le 110. Allez, on va retourner. On va voir au-delà de la piste. On va voir combien jusqu'à combien il peut y aller. Customiser avec le moteur en plus. Ça n'a pas changé grand-chose par rapport au premier test non customisé. Par contre, avec les roues, hein, c'est normal que. Oh. C'est normal que ça dérape pas trop, sauf si je force. C'est vrai qu'au niveau de démarrage, il y a toujours ce coup frein-main. Mais bon, c'est pas très très gênant. Ça, pour les courses, je pense que ça peut faire quelque chose. Là, ouais, ça. Attendez, ah oui, ça démarre tout de suite. Sur un frein. Ça redémarre tout de suite. Je vais essayer de freiner et tourner, faire un coup de volant à gauche. Ah, ça c'est aussi toujours aussi plaisant à conduire. Ah, je fais un zigzag. Ça sent que là, nous sommes sur une ligne droite. C'est vraiment, c'est aussitôt, ça s'arrête aussitôt et ça part aussitôt. Et après, ben, au niveau de circulation, je sais pas comment ça vaut, mais franchement, et puis le bruit du moteur, c'est agréable, ni trop bruyant, ni trop bas. C'est agréable à écouter. Voilà, mes amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur like. De faire partager, et toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne,
Je t'invite à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!